Et salut à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode. Et ben, ils se ressemblent tous parce qu'on va réaffronter encore une fois notre méga pote là, Cameron Strowman. J'en ai marre. Je veux un autre adversaire. Déjà, rien que pour les miniatures. Déjà. Ou alors que je l'affronte pour le titre. Mais ça, le jeu ne veut pas. Hop, on peut bien sûr passer ça. Hop, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. À la rigueur, de m'affronter un Elias ou même un autre catcheur, parce que là, j'en ai un peu marre. Bon, on est reparti pour Braun Strowman là. Ce sera la quatrième fois qu'on l'affronte. On l'a toujours battu. Bon, on va le faire, hein. La fois dernière, il a eu une marque de respect intéressante. Donc, à voir si si je le rebats, est-ce qu'on pourrait avoir un titre, enfin un match pour le titre, et qu'il faudrait encore le réaffronter une fois. Est-ce que c'est une rivalité qui en mise en route? Je sais pas, je regarderai après. Ah, j'ai pas tiré les intros. Bon, on va passer parce qu'on connaît les intros, vous connaissez. Après, on a Braun Strowman. On va passer cette cinématique. On devra aller l'attaquer une fois pour lancer une rivalité pour peut-être avoir le titre. Mais donc là, je sais pas contre qui peut avoir une rivalité parce qu'il n'y a que moi qui l'affronte. Donc, à SmackDown, j'affronte que Braun Strowman. Et j'affronte Drew McIntyre à Main Event. J'affronte les deux champions. Petite baffe. Ouh. Pour le moment, on fait que contrer. On se compte l'un l'autre. C'est même pas intéressant comme match. Voilà, là ça va devenir intéressant. Il manque à contrer. On va faire gaffe, hein. Il a l'air plus chaud. Allez. On va se relever. Non, bah, on n'arrive pas à... Ah, pour le moment là il met un petit carnage là. C'est compliqué. Voilà, on peut mettre enfin des attaques. Avec le monstre parmi les hommes. Je déteste ces attaques là. Faut attention. Une balaye. Je suis un balai. Il m'a mis un coup de torche. Rien compris à ma vie. Strowman is feeling it right here. Il se rasseye, genre je combats juste à côté d'eux, mais il se rasseye tranquille. Non, non, c'était debout. Oh. Bon moment, on prend cher. Et stunner. Braun Strowman fans with some reason to worry about here. It's nothing he hasn't been through before. Ça repartit à 1. On va attendre. Allez, monte-toi. Trop tôt. Parce qu'ils vont être quand même plus rapidement. Le brise-mâchoire. Le tomber mais dans les cadres bien sûr. Et compter, lol.
Elle était complètement dans les cordes. Ça c'est bien. La face. Il doit attendre qu'il se lève. Et là je veux vraiment pouvoir faire mon attaque que je veux. Ah bah tant pis. Le brise. Voilà, c'est le champion. C'est parti. Boum. On va charger le finisher. Ça c'est bien. Tornado RKO. Et je tente pas. Direct. Ouais non. Faut faire attention à son finisher, son coup spécial. Hein. Alors non, il a plus rien. Le brise d'eau. Le ramènement au sol. On va remonter directement. Le Swanton. Voilà, on travaille le bras. Là, on est en train de le mettre très mal. Et là, on va tenter de tomber directement. Voilà, roll break. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Par contre, lui, il s'est relevé. Manchette, portelle européenne. Il m'a contré? Non, pas. C'est pas mon finisher. Faut faire gaffe. Here goes Braun Strowman. Bang right in the face. KO punch. Allez. Boom, what a forearm. Oh, right up there. The target's been acquired. Et maintenant on le prend. Et là, bah oui, je pense que c'est totalement fini. Descendre du coude. Oui, ça passe. Tranquille, ça passe. On a gagné. Un peu plus short, celui-ci. Ah, intéressant. Ah, ouais. On a beaucoup de dialogues, c'est cool. Donc là, on dit que j'ai gagné une super victoire, etc. Donc c'est cool. Donc, ouais, je suis content. J'espère avoir un match de championnat très rapidement contre lui. On peut bien sûr passer ici, hop. Et bien sûr, on peut passer à Aleister Black Kane. Et c'est Aleister Black. Alors c'est Kane qui a gagné. Ok. Qui maintenant? Là, on va à la main event. Voilà, ce sera un Européen. Que dans Extreme Rules, c'est dans quand même dans assez longtemps, quoi. Est-ce que je pourrais peut-être défendre mon titre à main event? Non, mais j'ai un triple menace. Triple menace qui n'est pas pour le titre, mais qui peut être pas mal. Ça va changer des matchs simples. On va faire gaffe, là on sera 3, donc contre Drew et contre Cesaro, ça peut être un match très intéressant. Et là on est parti. On va tranquillement se faire le triple menace. Alors là je garantis vraiment pas de gagner. Hein.
On peut faire tomber sur quelqu'un d'autre et perdre. Hein. Enfin, et me faire perdre. Fais gaffe. Ok, on est parti. Et les entrées? Ouais, bon, c'est moi qui va arriver. Avec la ceinture, je vais vous la montrer si ça fait longtemps. Je suis champion ici, donc c'est normal. Cesaro. Ah, regarde, c'est pas très intéressant. McIntyre, c'est plus intéressant. Voilà le champion de la WWE. Le voilà. Drew McIntyre. Avec la monnaie, avec le champion du monde. McIntyre. Ok. Tranquille. On a ces champions contre champions et on a un intrus. Un petit Suisse. On va faire gaffe parce que triple menace est toujours ah, la menace de venir des trois. Mais moi je vais pas rester à l'extérieur, hein. Moi je vais catcher Spear, tenter directement de tomber. En gros il faut en mettre un KO et tabasser l'autre aussi. Voilà. On l'envoie dans le coin, faut attaquer tout le monde. Tenez donc close body. Corey, would you agree that triple threat matches can lead to unexpected alliances? Well, absolutely. Triple threats create circumstances that lead to interesting bedfellows. Super kick. Out of necessity. Eliminating the strongest entities who spear. One-on-one is a common game. Tomber sur Cesaro. Non. Pour moi, on est à 50%. Front kick. Oh non. Tough situation to be in right here. Allez, non, il va mettre contre le coin, bah, tu m'étonnes. C'est zéro, il est à peu près KO. Put into place. He's looking banged up here, guys. Heavy duty right hand. Big punch finds its mark. Boom. Et ça repart avec un tombé. Wham. Eh ben non. Toujours pas. Pas intéressant. Front kick. On va monter directement. Descendre du coude. Voilà, on va en virer un. Et on va directement attaquer Cesaro. Et on tente de tomber. Et on a gagné. J'étais à l'aise. Franchement, ça passait. Ça passe. On a très vite fini. On a gagné. On va faire un autre match, hein. On a le temps encore. On est qu'à 14 minutes. On va se refaire un autre match. Je compte entre 20 et 25 minutes par vidéo, peut-être même 30, entre 25 et 30 minutes, donc on a la moitié, donc on peut encore faire un match ou deux, on verra bien. En fait, ça dépend comment le match dure, quoi, mais... Moi, j'espère avoir un match de championnat contre, au moins, catcher quelqu'un d'autre. Là, je suis en train d'avoir un peu avoir marre, là.
Mais non, mais et où les gars, Braun Strowman, j'en ai un peu marre. Est-ce qu'on peut annoncer un catching? Carmena préviendra Bailey, mais non, on s'en fout. C'est bien regarder un petit peu. Non, c'est pas dans, c'est dans Roster. Les rivalités. En plus, je n'ai même pas de rivalité avec lui, quoi. C'est ouf. Est-ce que j'ai une rivalité? Ah, on peut créer une rivalité? Oh, c'est long, c'est cool ça. Bon, pour le moment, ça va. Ah, wow, on a McIntyre et Samoa Joe. Intéressant. Et ici, on a quelle rivalité? Ouais, ça, c'est rivalité croissante. Ouais, il y a moyen d'avoir une autre, mais. Ouais, c'est pas pour le titre, c'est vraiment dommage. Dommage qu'on a pas d'âge pour le titre. Parce que. Pff, on l'a déjà battu et rebattu et rebattu et rebattu. Après, s'il en veut toujours plus, on n'en peut rien, mais. Hop. Brian. C'est qui le main event? Ça, c'est eux le main event? Bon, mais pas nous. On y est. Il y a deux champions. Bon, on va retirer les entrées et on va combattre. Braun Strowman, hein, encore une fois. Ce serait bien que ça change. Légèrement. Voilà, légèrement. Que là, il y en a un peu marre. Hein. C'est Braun Strowman. C'est... En vrai, c'est cool, on rencontre le champion, mais. Ce serait mieux si c'est nous, hein, la regarde, contre un champion, quoi. Que pour le moment, on affrontait que lui. Lui, Cesaro et Drew McIntyre. Ok. On l'a contré. Nice right hand. Slingshot cross body to the outside. Oh là, on va. Je vais pas traîner le match, hein. J'ai pas envie de traîner le match. Et là, oui, tu fais chier. Je vais pas aller là-bas. Hein. Mais compte. Non. What a battle we are witnessing. We're at a stage where someone's gonna have to shift it into another. On a contré, on a contré. Oh non, lol. C'est pas bien ça. C'est pas bien du tout ça. Voilà, là on a contré. Je vais pas faire durer le match, mais. Moonshot. Ça passe. Ça c'est bien ça. Le coup de la mâchoire. On monte à la troisième corde. Le Swanton. Il s'est décalé juste à un moment. C'est nul. Bon allez. On va le renvoyer. Boom, right to the jaw. Oh, you can pick up your teeth in section 112. I don't know if there's a superstar in the history who's had the long list of attributes that all the way for the top. Swanton bomb. His offense is on point right now. His offense is second to none at times like this. On va le relever. Tenter directement. Oh, il m'a contré. Je veux pas qu'il contre. Non, non, non. Bon, ça, il est qu'à 40%. Je suis à 80%. Et il va se calmer, hein. Moi, je te le dis, hein. Voilà, ça, c'est bien.
Allez, descend. Swanton bomb. Il m'a fait un coup de boule. Quel connard. Il m'a recouté les escaliers. T'as pas le droit de faire ça. Ça c'est bien. Allez, finisher. Tornado crossbody. Et on rentre. Bon, là on a gagné, il se relèvera pas. Hein. Oh. Oh. C'est pas grave. T'as pas voulu, mais si en fait. Regarde. Quoi? Il aura tout eu. Hein. Le Swanton, mais. Pas ce que je peux faire de plus. À part lui donner un finisher et qu'il me batte. On va aller dans le coin, mais. On va tenter, mais. Voilà, hop. Et une baffe dans le vent. Oh, il va revenir. Coup de la corde à linge. Oh, il a son coup spécial, il va falloir faire gaffe. Oh non, ça va. On va voir, mais. Back suplex. Oh no. Face buster. On va faire gaffe. Ça va, j'ai contré son coup spécial. Bon là on lui fait, c'est fini hein. Arrêtez de déconner là. Two, three. Bon, on l'a battu 5 fois. À peu près je pense. Et même pas une va pour le titre. C'est abusé hein. Un splendide victoire de ce soir, ok ouais. Tout est mérité. L'adversaire presque très. Sa défaite veut dire ok ouais. Il dit toujours la même chose. Ouais bon. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir maintenant comme combat? Que là, une dernière, il faut quand même changer. Changer quoi. Faut. Mettre un nouveau catcher quoi. On en a marre. Quoi, je peux pas? Ah non, il y a d'abord Roman Reigns. Ok. Et puis il y a ça. Ok. Alors le prochain c'est. Le prochain c'est quoi? Ah ben on va aller à Main Event. Cool. On va aller à Main Event. On se rapproche tout doucement de Extreme Rules. Bon, déjà j'ai sur l'affiche, donc j'ai un match. Mais, oh les gars, il y en a un peu marre là. Il y a plein d'autres catcheurs là. Bah il y a où? Becky Lynch, Lana, Rusev Day. Ok. Je sais pas où ouais, mettons, il y a Rusev, il y a Finn Balor, Aleister Black. Pourquoi toujours les mêmes? C'est chiant.
Bon, bah, la fois prochaine, on commencera directement avec un main event. Et on fera un SmackDown et un main event, je pense. Et peut-être même encore ici une partie. Et Extreme Rules, on le fera peut-être bientôt. Donc voilà. Bon, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.